Chloridorme, un nom qui, jusqu'à l'hiver dernier, m'était complètement inconnu. Effectivement, l'un des plaisirs, mais aussi des devoirs du navigateur est d'étudier la route qu'il pense emprunter. Naviguer, ce n'est pas une question d'improvisation, mais de préparation. Et cet endroit figurait parmi les escales possibles en cas de nécessité. Photos aériennes, relèvement des aides à la navigation pour l'approche, calcul de la hauteur d'eau disponible en fonction des marées, informations auprès du maître de port, etc. À noter qu'Escoumin Radio de Garde-Côtière nous a même demandé de fermer notre plan de route à quelques milles au large avant d'arriver, car la communication VHF est pratiquement nulle près de la rive. Par visibilité réduite, le bassin est comme n'importe quel autre, mais une fois le brouillard dissipé, la vue du petit village avec la grève accessible à l'extrémité du quai fédéral donne un certain charme à cette localité maintenant facilement identifiable sur notre carte nautique. C'est comme si on naviguait. Et hop! Pareil. Un petit peu de côté, un petit peu de devant, on roule, on tangue, tout. On est à Marie. Des côtelettes de quoi ce soir, Marie? Non! Côtelettes de porc. Donc là, entrée de pétoncle, crevette. De betterave, puis côtelette de porc. On va aller se racheter des crevettes. Mmh. Une poissonnerie juste à côté. Ouais. Un bout de fleur. Je pense qu'on peut les revirer. Non? Mmh. Non, on n'est pas chicken, c'est juste que la texture. Ouais, c'est super bon. Oui, c'est bon, mais la texture. C'est comme le tofu, mais en moins pire. Non, non, arrête. Oui. Rien à voir avec le non. Oui. Je refuse. Merci du jardin.
tongue, traverse. Côté de bord, Yannick, tu peux voir le barbecue. Je pense qu'ils l'ont enlevé. Parce que les camions, quand ils tournaient le coin, avec le crochet. C'est le devant l'église, les mains comme ça. On est allé à la crèmerie l'autre fois, tu sais, quand on est allé dans le parc, puis après à la crèmerie. J'ai dit, à part, on est en flèche fait, vers la main, puis je me suis dit, ah, d'accord. C'est juste de la terre hein, qui transforme. Oui, mais des fois, la vie. La vie m'a fait croire que c'était des hauts. Peut-être que la vie te fait croire que tu peux les pêcher. Thank you.
temps dit. Parce que là, on voit plus grand-chose. Tu t'es pas servi? Peut-être ça devient mieux, parfois. Ouais, j'avais besoin de la 44-96. Non, 44-85. Là, j'ai pris les. Je suis tombé dans ce cartouche-là. Et puis, c'est le temps de sortir les cartes de la péninsule gaspésienne. Yeah. J'ai aussi toute la baie de Gaspé ici. Cette carte-là est un petit peu plus. Alors, ouais. Elle est à grande échelle, un peu petite échelle. Puis voilà, je vais terminer mes cartes papier. J'ai les avais finalement jusqu'à la dernière que j'avais, c'était la 4026, celle qui fait toute la portion ouest du golfe. Là, avec ça, on est capable d'avoir une vue différente. Chloridorm. Et on s'en va où, là? Dans la baie de Gaspé, là. Ben demain, nous, on visait Rivière-aux-Renards, mais dépendamment de ce qu'on a comme courant, là, à mon avis, on est capable d'entrer dans la baie de Gaspé. D'accord. Là, il y a Grand-Grave, il y a Lance-Briand, comme possibilité. Puis sinon, ben, on entrera directement dans le Havre de Gaspé. Puis celle-ci, c'était si jamais on décidait de. Ben, en fait, quand on décidait de descendre jusqu'à Lance-en-Beaufils, mais pour l'île Bonaventure, puis percer, ça va être utile. Minutes, 35 minutes. Il y a combien de lignes? 1, 2, 3, 4. T'es d'accord avec moi? Mm-hmm. Donc, si ça fait 30 minutes, 31, 32, 33, 34, 35. Ouais. T'es d'accord? Donc, ça ici, c'est 1000 mètres. Ok. Ok. Alors, regarde bien. Si je me rends là, ça c'est 5000 mètres. Okay, de 30 minutes. Mais nous autres, si on va à 5 nœuds sur l'eau, en réalité, on va à 5 nœuds et demi. Je peux même mettre ça là. Donc, à cette vitesse-là, notre vitesse de croisière, habituellement, là, sur mer plate, là, c'est 5 nœuds et demi. Ça veut dire qu'en une heure, on parcourt cette distance-là ici. Mais donc, pour donner une idée à maman, on lance à Briand. Une. On est à un peu moins de 3 heures de moteur. Du rocher percé. Bon, c'est pas à si pire que ça. À 5 nœuds et demi. À 5 nœuds, on diminue, là. À 5 nœuds, on. À 5 nœuds, on arrête à 3 heures. Oui, mais ça, c'est avec le courant. Mais là, oublie ça, là, le courant favorable. Là. On est à 3 heures de moteur du rocher percé. Là, il y a ici Malbé, mais c'est pas. Bon, ça n'a pas l'air d'être super. Sinon, on peut toujours descendre à Lance-à-Beaufils. Ouais, mais c'est loin. Hein? Ben, c'est moins loin que de retourner à Gaspé, par exemple. C'est fun parce qu'avec l'humidité, là, les cartes se déroulent. Elles restent pas trop roulées, c'est bizarre. Ou c'est parce que je les ai roulées, ça fait pas assez longtemps. Tiens, tu peux aller voir quelqu'un, tu penses? Sur un petit voilier, l'espace est compté. Tout ce qui peut être compressé l'est. Ça, c'est vraiment drôle. Pizza maison ce soir. Pour le souper, dans le restaurant chic. Pizza de luxe. Nous larguons les amarres à 0400 en même temps que les pêcheurs locaux. Une belle manière d'éviter de se faire réveiller par le vrombissement ahurissant des navires de pêche. Nous mettons le cap sur la baie de Gaspé.
Sur notre route jusqu'au Cap Gaspé, nous avons l'opportunité d'observer un requin pèlerin, des fous de bassin, des baleines, des phoques et des marsouins à profusion. Ces apparitions viennent agrémenter la journée plutôt grise. Puis, à la hauteur du Cap des Rosiers, nous observons le plus haut phare du Canada, qui fut érigé en 1858. Aujourd'hui, il est classé Monument national historique. C'est à partir du Cap des Rosiers qu'on a aperçu la flotte du général Wolfe en route pour Québec. Et on connaît tous ce qui s'est ensuite produit sur les plaines d'Abraham. Le nom de l'anse a, semble-t-il, été attribué par Samuel de Champlain en 1632, étant donné l'abondance des rosiers sauvages bordant la falaise. Le rivage à cet endroit est parsemé de blocs glaciels, soit de gros cailloux emprisonnés par la glace sur d'autres rivages et qui ont été emportés, notamment par le courant de Gaspé, jusqu'ici. Entrer dans la baie de Gaspé représentait l'atteinte d'un premier objectif cet été. Il y a quelque chose d'indescriptible que l'on ressent en contournant le Cap Gaspé et en jetant un coup d'œil à la vaste étendue d'eau à l'est. La houle du golfe, bien différente de celle de l'estuaire, la présence connue mais invisible des îles lointaines, avec un brouillard se dissipant momentanément, ont donné aux falaises calcaires de la péninsule gaspésienne une ampleur des plus fascinantes. Nous avons eu l'impression d'avoir atteint l'extrême limite de quelque chose. Et pourtant... Là, je trouvais que le petit vent nord ici, là, à l'entrée de la baie, était suffisant pour qu'on déroule un peu de toile. Alors, on va faire de la voile dans la baie de Gaspé. Ça fait un an que j'attends ça. Je sais pas si on va être capable de se rendre assez loin dans la baie. Bon. Oh, puis ça sent l'épinette, ça sent bon. Et que ça sent bon. Quelques minutes plus tard, une navette touristique pour l'observation des baleines, remplie de touristes drôlement vêtus, vient nous saluer en nous questionnant sur les éléments habituels. D'où venez-vous? Depuis combien de temps êtes-vous parti? Votre destination finale? Météo rencontrée, etc. Le capitaine nous informe également de la présence de rorquals bleus à la hauteur du quai de Grande-Grave. Il nous rappelle les distances réglementaires à conserver avec ce type de mammifère marin. Il nous invite à profiter du moment tout en nous indiquant que deux autres requins pèlerins ont été aperçus ces derniers jours dans la baie. Une nourriture abondante semble être à l'origine de cette activité marine. Il nous confirme qu'un seul voilier est actuellement amarré dans le petit bassin. 7 heures, majoritairement au moteur, ont été nécessaires afin de parcourir les 45 000 nautiques nous séparant de Chlorhydorme. Notre arrivée aux alentours de midi nous place près d'une heure avant la basse mer, d'une hauteur de 0,25 m à Pointe-Sainte-Pierre. Au plus bas de la marée, nous observons une profondeur d'1,6 m à l'endroit où Fully est amarré. On est où là? À
grave. Grande grave. Tu disais que j'avais de la misère avec chloridorme. Chloridorme. Tu l'as pas encore. Mais c'est grande grave. Parc national, Florian. Sans épinette à souhait. Sans la mouche de travail à souhait. J'ai un décimal 6 mètres, marée basse. On mange de la soupe déshydratée à la dinde. Très bonne. Qu'est-ce qui arrive au, à Malheur? Il est à côté dans le fond. Monsieur me dit, on arrive, on est en train de s'amarrer. Et le monsieur me dit, il dit, t'es parti tôt ce matin de Chloridorme? Ben, j'ai dit, ouais, à 4 heures. Ben, il dit, parce que moi, c'est à la Maison Bleue, juste en face. Et tu t'avais dans ma face. Il dit, quand on s'est réveillé, t'es plus là. Il dit, t'es parti tôt. J'ai dit, vous, ça vous a pris combien de temps de Chloridorme pour venir ici à Gaspé? Pas à Gaspé, mais à Grande-Grave. Ben, il dit une heure, c'est une heure de route. Ah, ça m'a pris 7 heures. Il y a une petite différence. Mais c'est ça, le monsieur demeure, il a reconnu le bateau parce qu'il y en a eu un, puis il regarde ça, il n'en voit pas beaucoup passer, mais il regarde le bateau quand même, dans sa fenêtre de cuisine. Il nous a reconnus. Au grand bonheur de Léalie. Ben oui. Elle se fait reconnaître partout, elle aime bien ça. Surtout qu'elle a une trace de peinture dans l'usage. Non, mais... C'est une artiste. Non, mais pas avec une trace de peinture. Tu sais, ça dépend encore, là, quand je suis en pyjama. Tes cheveux font comme moi. Ils font ça de même. OK. Mais ils twistent ici aussi. Okay. Non, ce que je parle, c'est des présous de même. Je sais, on est sœurs. C'est génial. Olgy Courbet, le leur capitaine Olgy Courbet. Attention à vos oreilles, il va faire sonner la corde. Quand vous retournez, il vous demande de rendre.
regarde! De la voile. On fait de la voile dans la baie de Gaspé. Et puis on s'en va, on traverse là, de Grande-Grave à Lanceabriant. Il y a Christian qui est là, il voulait nous rencontrer, donc on va essayer de se coordonner. Et puis moi je voulais me laver en route, mais non. Mm. Avec le vent, on a un petit 15 nœuds, là, 15-16 nœuds. C'est trop frais. On va attendre d'être rendu de l'autre côté. Et on va peut-être préparer le souper ou on verra là, parce que je veux attendre que la marée monte un petit peu puis je veux arriver au moins à mi-marée, à marée montante, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau là. Donc on va jouer de prudence. Voilà. Mais là on profite. 4h de l'après-midi. Ça semble être vraiment un très très beau plan d'eau, la baie de Gaspé. C'est génial. Comme une grosse rivière chelue. On est dans un autre monde. Avec des phoques, des baleines puis des requins. Ouais, les requins pèlerins. Là, on pourrait se mettre comme mission de voir un dauphin. Apparemment qu'il y en a. Ouais. On n'a pas vu. Nez blanc puis dauphin. Et voilà. Mission acceptée, Mia. On voit un dauphin? Ok. Tu es en train de nous checker ça, là? Le petit port de pêche de Lanceabriant est marqué par une balise tribord à 0,5 mille de la passe d'entrée plutôt étroite. Lors de notre passage, nous y observons une profondeur d'un peu plus de 2 mètres à mi-marée montante. À notre arrivée dans le bassin, nous sommes accueillis par Axel et Chloé du projet Arctic Stern, qui nous disent voir rarement de voiliers venir s'amarrer ici. Puis, peu après, nous avons enfin le plaisir de rencontrer Christian, Léa et leurs enfants, avec qui nous sommes en communication depuis quelques jours et qui nous ont généreusement donné des précisions sur l'endroit. Nous aurons, une fois amarrés au bout du quai nord, une profondeur minimale d'1,5 mètres à mer basse. À titre informatif, l'une des origines du toponyme de Lanceabriant provient de l'effet des jeux de lumière provoqués par le soleil sur l'eau de Lance.
soir à Lance-Briand. Mange des repas déjà préparés. Là. Au bar. Avec riz, haricots en canne et la dernière verre fraîche qui nous reste du navet. Donc là, pour la première fois, on va chercher quelques légumes et des fruits frais. Bientôt. Bientôt. Deux fois de la voile en deux jours, le vent tourne pour nous. Et là, oui, mais... On avance un peu. Trois nœuds. Mais c'est pas grave. On avance quand même. On l'a pas dans le pic. C'est déjà ça. On vient de quitter Lance-Briand à 10h30. On avait 2 mètres dans le chenal d'entrée. 1.8, 1.7 là. OK. Puis là, ben, on met le cap sur le Havre de Gaspé. On est venu jusqu'à Gaspé, parce que là, on peut le dire, on est dans la baie de Gaspé. Pour voir des nouvelles choses. On voit rien! On voit du brouillard. Ouais.
On a ça, vu c'est parce qu'on en voit depuis Matane. Avant Matane, c'était... Ah, oh, ben depuis même Rimouski. Non, c'est pas vrai. Rimouski, on a réussi à faire Rimouski Matane sans... Oui, mais à Rimouski même, il y avait ouais, le brouillard tout le temps avant que j'arrive. Oui. On était dans la... On avait de la misère à voir la guérite, là, puis la capitainerie. Bon. Oh, ouais, ça... Vois-tu, on vient d'avoir un éclaircissement. Ben oui, on voit éclaircissement. On n'a pas 2000 de visibilité parce qu'on distingue absolument pas la côte. Puis on est exactement à 2000 de distance. On est même de l'autre côté, mais là, on voit que l'eau, ça s'est élargi. Mais faut venir jusqu'ici. Pour rien voir. Mais je me souviens sur la côte Est, là, quand on y était avec mes parents, là, il y en avait jusqu'à 11h midi. Mais tu sais, en début d'après-midi, chaque jour, ça se levait. Ici, c'est pas le cas. Et là, les vents d'Est et la particularité cette année, les gens le disent, là, ça, c'est encore là, mais habituellement, ça sève plus tôt. Là. Puis hier, sur le versant nord du Mont Saint-Alban, il y avait vraiment un beau banc de brouillard, alors qu'ici, dans la baie de Gaspé, c'était dégagé. Là, ce matin, ce n'est pas le cas. Un petit 11-12 nœuds de vent. On s'en va au club nautique. Demain, ils annoncent de la pluie. Pas beaucoup, là. Pas une grande... Enfin, c'est surtout de la pluie fine, mais toute la journée. Donc là, ce matin, moi, j'ai rempli le... J'ai, pour la première fois depuis qu'on a quitté, là, j'ai pris un des réservoirs d'eau de secours, d'urgence, enfin de... qu'on a là, de rechange, là. De surplus, je ne sais pas comment appeler ça. Là. On a 60 litres d'eau potable qu'on traîne dans trois contenants de 20 litres. Et ça, c'est au cas où qu'on en arrive à épuiser les réserves principales du bateau. Puis là, on en était à ce point-là, mais ça fait plus de 10 jours. Là. Alors là, j'ai vidé ça dans le réservoir du bateau. Seulement 40 litres, on s'est gardé un 20 litres. Au cas où qu'il arrive quelque chose entre ici... Et puis le club nautique de Gaspé. Et puis j'ai entamé pour la première fois aussi là, depuis le 21 juin dernier, on est le 10 juillet, mon second réservoir de diesel. Celui-là qui est vraiment le réservoir de, entre guillemets, de secours. Là. Mais là, le réservoir du bateau est plein. Alors ça me donne plus ou moins 30 heures d'autonomie. À 2500 tours. Et puis j'ai encore le trois quarts du Saint-Gallon là, d'urgence, de secours. Bon, on fait la voile dans le brouillard dans la baie de Gaspé. On pourrait être n'importe où sur le fleuve. On pourrait être n'importe où finalement avec du brouillard. c'est ça. L'eau est à 20. Hey, on a atteint le 20 degrés Celsius ici dans la baie. Wouh! Mais ça commence quand même dans le bateau. Ouais, ben là, avec des conditions d'humidité comme ça. Ouais. Tout est mouillé. Il est passé à deux doigts. Le bateau de la gendarmerie sortait de la baie, puis il est passé derrière nous. Je pensais qu'il voulait nous parler. Genre, il a envoyé deux petits coups de klaxon, là, poc, poc. Puis il nous a envoyé la main juste pour nous dire bonjour. Mais moi, je pensais qu'elle allait me dire, genre, t'as pas d'affaires ici, va-t'en, ou c'est privé. Seulement, quand la police vient te voir, c'est parce qu'il y a quelque chose. Oui, mais non, c'est. Les croisiéristes aux baleines, ici dans la baie de Gaspé, se détournent et viennent dire bonjour. Ouais. Puis la gendarmerie, la même chose. Ouais. Voilà. Mais probablement qu'ils ont vu qu'on avait toutes nos vestes aussi, je pense.
Je sais pas. Sauf Réali qui était pas là. Elle était pas là. Je sais pas. Moi, je suis équipée. Émilia, son téléphone. Je sais pas, Heureusement, l'approche à Gaspé s'est probablement avérée plus simple que lorsque Jacques Cartier a pris possession du Canada en 1534 au nom du roi de France ici même. Il suffit de contourner la barre de sable dans la passe d'entrée parfaitement balisée marquant l'entrée du havre de Gaspé, puis de se diriger directement sur l'enrochement du bassin du club nautique. Pour une fois, nous avons réussi à couvrir la distance, si petite soit-elle, soit un peu plus de 12 000, entièrement sous voile, avec des conditions de visibilité plutôt agréables pour terminer la balade. Alors ça, c'est une terre ferme, ça vient des îles. OK. Puis l'arcan d'Oval. Ouais. Oups. Bien. Bien, Gaspé. L'espoir. À Gaspé. Là, il fait comme... On a vraiment l'impression d'être en été, mais juste parfait. Il fait 20, je pense, toujours 20, 22 degrés. C'est pas trop chaud, pas humide. Juste sur l'eau avec le brouillard. Mais c'est un vrai été. Genre, à cette île, c'est... C'est cette île. Avec les boats à well. C'est pour ma tante France. Notre boat à well. Comme ça, si ça se rend pas, on pourra dire qu'on l'a fait pareil. Les journées de pluie sont idéales pour s'avitailler, autant bouger et utiliser le temps à bon escient. L'envoi de cartes postales, la visite habituelle à la poissonnerie locale et le trajet en taxi pour mettre les pieds à la distillerie dont nous connaissons déjà les produits. L'art d'occuper nos journées malgré le temps gris. Oh, morue, crevette, saumon fumé, puis une petite salade d'algues. Mais c'est ça. Elle est arrivée d'une sortie pluvieuse. Ben là, c'est une journée grise, humide, et malheureusement, les prévisions, malheureusement, je sais pas comment on prend ça, mais les prévisions dans les prochains jours. Ouverture météo pour aller aux îles de la Madeleine. Non, il n'y en a pas. Au moins pour les 5 prochains jours. Hein. À long terme, là. On va regarder ensemble ce soir d'autres possibilités. Je m'occupe de tes patates. On a mis cuise. Mais oui, mais elles m'ont brûlé, quoi, qu'elles se font arroser. Non. Je sais pas dans quel chevron. Pas long. Dans quel. C'est celui-là. Ah. M-A-N. Donc ce soir, filet de saumon.
0,99% sur 72 mois ou 1,99% sur 84 mois. Avec une IPA. Oui, 24 mois et toujours la meilleure valeur. Puis une Malbord. En plus de vous offrir le premier paiement gratuit, bon appétit. Bon appétit. Demain, on a de la morue. Ouais. Des crevettes. Ouais. Du saumon fumé. Ouais. Mmh. Puis là, c'est vraiment comme... C'est très, 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 très rare qu'on mange dans la cabine du bateau. Mmh. En fait, c'est la première fois cette année. Je sais même pas si c'est arrivé l'an dernier. Ben bon. On fait une exception, on mange dans la cabine. Dans le carré. On voit rien, de toute façon. Non, c'est sûr. Bye bye, Gaspé! Capitaine? Une voile dans le Havre de Gaspé. En tenue d'été. Yeah. Avec de l'eau qui est à 22.5 degrés. C'est. Ça fait drôle de revenir à des températures estivales. Et là, c'est le fun aujourd'hui, c'est pas. En ce moment, c'est sec. C'est pas humide. Et on se dirige vers le banc de sable. On essaie d'aller voir si on peut mouiller l'ancre pour quelques heures. Puis après ça, pour la nuit, j'aimerais ça me mettre un peu plus au sud. On a 8, 9, 1, pas tout à fait 10 nœuds de vent. On fait 5,5 sur le fond au près. J'irai haute avec un petit bout d'enrouleur. Super agréable. Pour venir jusqu'à Gaspé pour faire de la voile. La barre de Sandy Beach est également nommée Boom Defense. Effectivement, durant l'épisode historique de la Seconde Guerre mondiale, des installations militaires ont abrité jusqu'à 3000 hommes ici afin de se protéger des sous-marins allemands, d'où ce surnom. On activait, entre la pointe Penouille et la barre, un filet anti-sous-marin en guise de protection. Aujourd'hui, les ondulations sur le sable créées par les vagues laissent plutôt entrevoir de nombreuses carcasses de mie et des carapaces de crabes. Les chances d'apercevoir un sous-marin sont plutôt minces. Il est notamment déconseillé de s'approcher de l'îlot sablonneux de la mi-mai à la fin juin, car il s'agit de la période de nidification de la sterne Pierre Garin. Sandy Beach abrite la plus grosse colonie de sternes de la Gaspésie. Il se trouve qu'un bateau lumière a également été positionné sur la pointe de sable dès 1871.
La rudesse des conditions de mer, particulièrement avec la formation des glaces à la fin de l'automne, n'était pas propice pour un phare flottant. On installa un feu permanent à plus longue portée de 1904 à 1952 directement sur la pointe. Ce dernier fut emporté en 1983 et définitivement supprimé. De nos jours, deux balises, une rouge et une verte, délimitent la passe d'entrée.
On a du poisson qui goûte le ciel. Du persil. Ouais, du persil du jardin. Qui est frais. C'est vraiment très, très, très. Et que dire de la musique? Non, non. C'est... Ouais. Ça, c'est non, meilleur on s'imprègne. Que non, non, on s'imprègne de la... de l'endroit. Non, non. Non, c'est la non. pire musique ever. Non. Oui, c'est du bon country, là. Hein? Non, excuse-moi, il disait. Non, tantôt, c'était, les paroles étaient. Excuse-moi, ouais. parce que c'est puis l'autre fois, il disait on va boire de la bière, même si demain, on. Pour tout oublier, même si demain, on va tout oublier. Tu sais, ça n'avait pas de sens. Ouais, puis c'est dépressif. C'est n'importe quoi, puis c'est dépressif. Non, mais quand même. Faut que tu fasses preuve d'ouverture d'esprit. On fait preuve d'ouverture d'esprit pour mais toute autre chose que cette musique-là. Ben, là, c'est parce qu'il y a une limite là, à faire d'ouverture d'esprit. Ben, moi, j'aime ça. Ben. Non. Does mama cry? Oui. On l'avait bu l'an passé, celle-là. Mais oui. C'est laquelle? La Marlboro.